aujourd'hui pour une vidéo retour de cours. Je suis super contente de vous retrouver parce que ça fait longtemps que je vous ai pas pris en vidéo. Je suis désolée, j'ai repris le boulot. Je suis dans le jus avec la rentrée et tout. On est aujourd'hui le 30. Je viens seulement de faire les courses de rentrée scolaire de Thiago. Donc quand je vous dis que je suis dépassée, je suis dépassée. Donc j'ai pris beaucoup de retard dans mes vidéos, donc j'ai pas mal de choses à vous présenter juste avant le retour de course. Donc voilà, pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous mettrai l'heure du retour de course, enfin, à combien de minutes c'est. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier, merci beaucoup à toutes celles qui ont commandé avec mon code promo LALALAB, donc je vous le remettrai juste ici et en barre d'infos. Donc voilà, j'ai un autre produit à vous présenter, donc je vais vous le montrer. J'ai juste de le recevoir, donc je vais le découvrir avec vous. J'ai juste enlevé j'ai juste ouvert le carton en fait, j'ai pas... Donc pour ceux qui connaissent pas, LALALAB c'est un site de photos qui permet d'imprimer vos photos et vous pouvez après les décliner en plusieurs choses. Donc moi j'ai fait des magnettes que j'ai collées sur mon frigo, donc je me suis acheté des magnettes grâce à vous parce que vous avez commandé et du coup j'ai eu une petite en gros commission sous forme de cagnotte pour redépenser sur LALALAB, donc voilà. Donc merci à celles qui l'ont fait, merci à celles qui vont le faire si ça vous intéresse. Donc les petites magnettes, j'en ai mis sur mon frigo et j'en ai mis en fait sur mon casier au boulot, comme ça quand j'ai un petit coup de mou au boulot, j'ai la photo de mes enfants, voilà, sur mon casier. Bref, hashtag mère cinglée. Non, et voilà, donc pour tous ceux qui connaissent pas, ah, j'ai même des petites accroches pour le cadre. C'est vraiment un site, une application, vraiment l'application, elle est hyper facile d'accès, franchement, celui qui n'y arrive pas, je comprends pas. Vraiment très très simple, il n'y a pas plus simple, il suffit juste de lire ce qui est écrit et de suivre les indications, il n'y a vraiment aucun souci. La qualité photo, là je vais voir ce que ça donne du coup sur toile, parce que sur les magnettes, c'est pas approuvé, hein. Sur les magnettes, ça marche nickel. Donc voilà, et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit code à gratter comme ça pour avoir un petit cadeau la prochaine fois. Donc j'ai déjà reçu une carte postale. Avec les magnettes, j'avais reçu un autre ticket à gratter, je crois que j'ai un code de réduction du coup sur mon prochain achat. Et puis voilà, je sais pas ce que je vais avoir comme cadeau. Voilà, j'ai un petit origami en forme de chat, donc c'est le troisième. Mais moi j'aurais pas pu jouer dans Prison Break, hein, je vous le dis d'avance. Les origami, c'est pas du tout ce que je sais faire. J'ai essayé les pliages, les machins, ça ressemble à tout sauf à un chat. Donc c'est censé faire un chat. Moi ça ressemble à une... Ça ressemble à rien. À rien, j'y arrive pas, j'ai pas la logique. Bref, donc ça c'est les petites accroches pour fixer au clou et tout ça. Ok, donc il y a les petites accroches, super. Et tadada, je la regarde avant vous. Waouh, mes titis! Ah, je suis trop contente. Waouh, la qualité elle est ouf. Donc c'est une toile, voilà, avec mes enfants. Elle est magnifique, elle est splendide. Franchement, elle est trop belle. Je pense que... Ben là, comme ça, je pense que je vais la mettre là, je vais enlever celui-là et je vais la mettre là, comme ça j'aurai mes petits loups ou en face. Je sais pas, mais waouh, 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 elle est vraiment, c'est pas parce que mes enfants, ils les trouvent beaux, mais franchement, là, je sais pas si vous voyez la qualité, mais franchement, rien à redire. Donc voilà, donc je vous mettrai mon code promo au cas où, vous aurez 5 euros de réduction sur votre première commande et 25% pour ceux qui ont déjà commandé en fait. Voilà, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos et affiché quelque part, bref. De toute façon mon code c'est Charlène Thiago Insta, non, Charlène tiré du bas Thiago. Voilà, donc ça c'est pour LALALAB. Waouh, je suis trop contente, il est trop trop beau, j'adore. Je vais le mettre là. Il est vraiment trop trop beau. Trop fun. Alors, ensuite, pour les couches, j'ai réussi à vous dégoûter. À vous dégoûter un code promo. Donc moi, je suis. En fait, je cherchais des couches écologiques. Et je ne suis pas du tout les couches lavables et tout. Franchement, c'est pas du tout mon délire. Hein. J'admire celles qui le font, mais moi. Je suis débordée, j'ai pas le temps. Donc, je voulais des couches jetables, mais je voulais des couches qui soient écologiques.
Et également, suite au scandale des couches dont on ne citera pas de nom, il y avait des pesticides, etc., dans quasiment toutes les couches de bébé. Donc, il m'en fallait des sans pesticides, sans glyphosate, etc. Donc, j'ai pris des avis auprès de copines à moi qui utilisent ces couches. Et je suis tombée sur l'entreprise Les Petits Culottés. Donc, déjà, le design est trop joli. Donc, je reçois en fait. Tous les mois, en fait, je reçois l'équivalent du. En fait, c'est un package et ça fait un mois. Voilà, vous êtes prélevé tous les mois, vous n'avez pas à vous occuper de. Oh putain, est-ce que je vais avoir assez de couches? Est-ce que machin? Là, eux, ils vous livrent un carton avec toutes vos couches. Si vous en reste et que le paquet n'est pas entamé, vous pouvez changer. Vous en reste pour la fin du mois, etc. Vous faites comme vous voulez. Il y a, vous pouvez choisir si vous voulez avoir l'équivalent. En fait, vous êtes toujours prélevé tous les mois, mais si vous voulez l'équivalent dans votre carton de 4 semaines, 5 semaines ou 6 semaines, je crois, en couche. Et du coup, ça, c'est super. Donc voilà, donc c'est la French couche. Donc c'est fabriqué en France, dans les Vosges. Donc voilà, c'était vraiment, vous savez à quel point j'essaye de faire attention dans les produits que je consomme régulièrement, que ce soit fabriqué en France pour conserver les emplois. Voilà, c'est surtout pour conserver les emplois. Et voilà, donc analysé sans perturbateur endocrinien, analyse réalisée en laboratoire indépendant. C'est un lot de 54 couches, donc voilà, ultra absorbant, 12 euros sec, etc. Sachez que ces couches, vous pouvez les tester sur leur site et que vous avez, en gros, vous pouvez recevoir un kit d'essai, je crois qu'ils appellent ça. Et du coup, vous pouvez tester ces couches, mais franchement, moi, j'ai eu aucun problème avec. Le seul problème que j'ai eu une fois et ça a débordé, c'est parce que j'avais pas fixé correctement la couche. J'avais pas fait gaffe, j'avais pas mis le scratch correctement et du coup, bah, évidemment, ce qui est arrivé, ça a débordé. Mais voilà, par contre, elles tiennent hyper longtemps parce que des fois, Romy, elle me fait des grasses mats de malade. Genre, elle prend son dernier bide à 10h et elle se lève le matin, il est 11h30 midi. Premier bide, quoi. Après, des fois, c'est 8h, hein, mais. C'est déjà arrivé 11h30 midi qu'elle se réveille. Et je m'excuse, mais depuis que j'ai repris le boulot, je me recommence avec ma farine là. Et du coup, j'arrête pas de me gratter le nez. Bref. Je suis ingérable. Ingérable, excusez-moi. Et du coup, ça n'avait pas débordé. Je ne l'ai changé que quand elle s'est réveillée à 13h et ça n'avait pas débordé. Donc vous voyez, de 22h jusqu'à 13h, ça n'avait pas débordé. Donc vraiment, au niveau de la qualité. Parfait, donc c'est pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais pour ça j'ai également un code promo, donc mon code promo c'est CET, en fait comme Charlène et Thiago, CET, et ça vous donne droit à 10% sur votre abonnement pour toute la vie. Voilà. Voilà, ça ensuite, on continue. J'ai acheté, on va passer sur le back to school, j'ai acheté le petit sac à dos à Thiago, donc je l'ai eu chez Leclerc. C'est lui qui l'a choisi, il voulait un sac à dos vert, donc. Je lui ai dit, bah tiens, regarde, il y a celui avec la grenouille, il est rigolo, voilà, il est mignon, il est en matière un peu. Je sais pas si vous voyez un peu la matière, mais vous voyez, c'est mou. Enfin, on dirait un peu de la mousse. Je sais pas c'est quoi la matière. Tac, tac, tac. C'est pas un jouet, machin. Laver à la main, tenir loin du feu. Ne pas utiliser de javel, non, sans blague. Pareil, fabriqué en France. Et. Tac, tac, tac. Ben, je sais pas c'est quoi la matière. Je trouve pas. Je trouve pas. Ah! À Leclerc, il y avait une promo sur les nouvelles crêpes Waouh à la compote pommes fraises. Donc, Thiago les a goûtées. Il y avait une nana qui faisait goûter les crêpes et les a goûtées. Donc, je me suis un peu sentie obligée d'en acheter. Donc, je lui en ai acheté. Voilà. C'est les nouvelles, c'est des pommes fraises. Donc, sans huile de palme, sans conservateur, fabriquées en France. Donc voilà. Le sac par contre, il sent l'essence. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref. Et du coup, il lui fallait des petits chaussons. Donc évidemment, il en voulait des Pat'Patrouille, mais mon fils, il chausse du 28. Donc souvent, les enfants du 28, ils aiment plus trop la Pat'Patrouille. Donc j'en ai pas trouvé. Il y en avait des Mickey, ils étaient trop petits. Et il y en avait des Cars et la fermeture était pétée. Donc bon, j'ai dit, on va prendre cela. Et ceux-là, bah, pour ceux qui me connaissent, il n'y a vraiment pas de surprise, c'est des Little Marcel, voilà. Rayé rouge, voilà, qui s'enfile comme ça. Voilà. Donc je lui ai pris ça, je les ai payés, je ne sais plus, je crois 8 euros, 8,95 €. Donc ça va, c'est pas.
C'est pas très très cher, voilà. Donc, je me suis dit que pour l'école, ce serait cool. Donc voilà, pour Thiago, c'en est tout. Il avait juste besoin de ça. Après, il avait besoin de d'autres fournitures, mais je les ai fait à Lidl. Enfin, d'autres fournitures, entre guillemets. Il est en maternelle, hein, donc mouchoirs, lingettes et compagnie. J'ai tout pris à Lidl, en fait. Voilà, donc pour Romy, les soins. Pour celles, au fait, d'ailleurs, qui ne savent pas, mais à Leclerc, vous pouvez ouvrir un livret bébé. J'arrête pas de parler, hein. À Leclerc, vous pouvez ouvrir un livret bébé, en fait. Enfin, c'est un peu comme, comme à Kiabi. Et du coup, je l'ai eu, la boîte naissance. Je vais aller vous montrer, je vous la montrer tout à l'heure. On va faire la JD. Je vais aller vous la montrer tout à l'heure. Du coup, à la pharmacie, j'ai repris Exomega. Donc, c'est de la derma. C'est la crème que je mets sur son visage parce que Romy, elle a les joues très, très sèches. Voilà. Et je lui ai repris du lait de toilette. Voilà. C'est pareil, c'est la marque Aderma, c'est Primalba. J'utilisais ça pour Thiago, j'utilise ça pour Romy. J'ai aucun souci, aucune rougeur depuis qu'elle est née. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai repris à la pharmacie des Cotopads. Donc c'est un gros sachet de coton. Ça, c'est plus approuvé, quoi. C'est un grand sachet de 200, ça coûte 3,50€, quelque chose comme ça. Et franchement, nickel, quoi. Tu peux me donner la boîte naissance de Leclerc, s'il te plaît. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte naissance. Et vous allez voir, c'est assez cool. C'est assez cool. Donc déjà, elle se présente comme ça. C'est une boîte de tiroir. Voilà, c'est écrit mes premiers moments. Donc dedans, vous avez un petit paquet de lingettes mode enfant. Il y en a 24. Il y a un petit pot Hip Bio, le premier petit pot à la carotte en fait. Il y a un paquet de mouchoirs, très utile. Une couche Lotus, donc pareil, elles sont très très bien ces couches là. Un machin Mistella là, au pour nettoyer le visage, je pense. Au nettoyant, sans rinçage, je sais pas. Visage et siège. J'utilise pas moi ces produits là. Mais... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une crème de change Biolan. C'est cool hein. Ah, ils ont pensé à moi. Je sais pas quand est-ce que ça va me tomber dessus parce que je viens d'arrêter d'allaiter. Oui, j'ai mis fin à mon allaitement. Enfin, j'ai mis fin. Mon allaitement s'est foiré tout seul. Donc Romy est au biberon. Voilà, j'essaye encore un petit peu de l'allaiter, mais j'y arrive plus. En fait, j'ai plus de lait. En fait, avec la reprise du travail, j'ai moins produit en fait et ma lactation elle est en chute libre. Donc voilà, c'est la fin pour moi, je pense. Là, il doit rester peut-être quelques jours et encore. Ah voilà, j'ai pas de... Bref, je suis dégoûtée, mais tant pis, c'est comme ça. Hein. Fallait bien que je travaille. Donc, ils m'ont donné une serviette hygiénique. Donc, je sais pas quand est-ce que va arriver mon retour de couche. Je l'ai toujours pas eu, hein, puisque j'allaitais, donc c'est normal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai chez Mixa Bébé? J'ai un baume apaisant Atopiance. J'ai un truc Sanitol machin. C'est quoi ça? Ah, bah, des conseils pour se laver les mains. J'ai quoi? Des réductions sur les couches pull-up, là. Vous savez, les couches pantalon, là. Un truc à bébé à bord, baby bio. Ça, il y en a un sur l'armoire à Thiago. Donc, on mettra sur de l'autre côté de l'armoire à Thiago, voilà. Et il y avait une petite bouteille mon du coup dedans, mais je l'ai utilisée, une petite bouteille d'eau. Il y a eu ça, donc un bijou, mais à personnaliser, nanana. Entrée code promo, nanana. Là, il y a un code promo en fait pour avoir un bracelet personnalisé au nom de votre enfant. Avec mon recours, vous payez juste les frais de port. Et puis des bons de réduction. Voilà. Des bons de réduction. Ensuite, bah, là, il y a ce qui explique le livret bébé. Donc, il y a 10% tous les jours sur l'hygiène et le soin. Tac, tac, tac. Dans la parapharmacie. 10%. Et le troisième mercredi du mois, il y a 25% sur le bio marque Repère. Et 30% en tickets Leclerc sur l'alimentation, les couches, l'hygiène bébé lors des journées événements. Alors ça, j'ai pas trop compris. On reçoit un mail, on nous dit ouais, aujourd'hui journée événement, machin, mais bon, bref. J'ai pas trop compris comment ça marchait leur truc. J'ai eu du Sanitol pour se laver les mains et un gros, 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 gros carnet de réduction avec plein, plein, plein de réductions. Plein de réductions comme ça, il y a, et franchement, il y a au moins 30 pages de réduction. Donc ça va des couches, aux petits pots, au machin, au halo aussi, au bibon, les ciseaux, machin. Ah, les coussins d'allaitement, parfait, j'ai 80 centimes. Ah,
Attendez, 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 attendez. J'ai 4 euros chez Petit Bateau. Sur un lot de 3 body trop cool. Ours, fleur, pois ou étoile, machin. Ah, trop cool. Trop cool, je suis contente. Donc bah, j'ai eu 4 euros de réduction sur les trucs Petit Bateau. Parce que vous savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez, c'est plus un secret que je n'utilise quasiment que des body Petit Bateau. C'est mon côté capricieux. Bref, après 15 minutes de blabla et compagnie, on va passer enfin au retour de course. Voilà. C'est parti. Donc, j'ai fait mes courses chez Lidl. J'en ai eu pour cher. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai beaucoup de trucs. J'en sais pas ce que j'ai foutu, mais j'en ai eu pour très cher. J'ai payé 155 euros, mais après, on en a quasiment pour tout le mois et j'ai beaucoup de viande. Oula, je vais tout tomber. Tout va bien. Ensuite, donc voilà, 155 euros, donc j'ai peut-être un peu abusé, mais je vous laisse voir la taille du ticket. Voilà. Donc, des éponges, donc voilà, c'est la marque Lidl, hein, la marque Lidl. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de frais, hein, mais tout est un peu mélangé, tout est dans les sacs à isotherme, voilà. Du papier toilette, formidable. Du sopalin, j'en achète jamais, mais il en fallait pour l'école de Thiago, donc bah, j'ai acheté, enfin du sopalin, du essuie-tout. Il en fallait pour l'école de Thiago, donc j'en ai pris. Des croquettes pour les chats, des... Alors, ça c'est quoi? Des mouchoirs, donc je dois en avoir une deuxième boîte qui traîne, c'est pour, pareil pour l'école de Thiago. Il fallait des mouchoirs, du sucre en morceaux. Voilà. Les croquettes du chat. Des chats que je ne vous montre plus, mais que j'ai acheté chez Lidl. Ensuite, tout est là-dedans. Ouais. Alors, j'ai pris des tomates farcies. Donc les tomates farcies, on va en utiliser 4 cette semaine. Et puis les 4 autres, je vais les congeler. Voilà. Voilà. Mettez vite, ce serait pas mal. Et maintenant, je fais ça en fait. Je prends des gros trucs et je congèle. Comme ça, j'en ai pour tout le mois. C'est parce que vu les horaires que j'ai là en ce moment, c'est un petit peu le bazar. Avec la rentrée, c'est tellement la course et tout que bah, du coup, je prends des gros trucs et je congèle. Et je mange beaucoup du congelé du coup. J'ai pris un gros machin d'escalope de dinde. Là, pareil, je les congèle. Et voilà. Enfin, oh, pardon. Je les congèle par 2 ou 3 et voilà comme ça. Au moins c'est fait. J'ai pris des yaourts comme ça, des mousses à la liégeoise. Sachant que moi en plus, bah, quand je rentre à 21h le soir, j'ai pas très faim. Quoi. Bah, je ramène du pain, donc du coup je mange du pain avec du beurre ou des conneries. C'est pas... Thiago et Romy, Romy a déjà mangé et Thiago a déjà mangé. Donc voilà, j'ai pas envie de me faire manger pour moi tout seul. J'ai pris du jus pour Thiago le matin. Donc ça, c'est pour ce midi. C'est des petits tortellini au bœuf. Voilà, c'était en réduction. Donc voilà, c'était 1 euro au lieu de 1,49 €. Donc bah, j'ai pris ça. J'ai pris ça, c'est pour que ça aille vite parce que je reprends le boulot bientôt. Il y avait des poivrons. Donc voilà, j'ai pris des poivrons. J'ai pris des crèmes dessert au chocolat, c'est pour Thiago et moi, du emmental râpé, du ail et fines herbes parce que bah, comme je vous ai dit, le soir je ramène du pain, donc du coup je mange un bout de pain avec du fromage, avec du beurre. Du beurre qui est en train de se ruiner, le pauvre, il est tout écrasé. Du beurre doux. Ensuite, oh. J'ai tout fait tomber, j'ai plus de place. J'ai pris du jus de pomme pour Thiago le matin. Un yaourt comme ça, la noix de coco à l'unité, c'était cher ça, je crois que c'était 59 centimes le yaourt. C'est assez cher je trouve, mais bon. Voilà. Alors, j'ai pris de la crème comme ça à longue conservation. Voilà, parce que je me suis dit que c'était bien utile.
Ensuite, des petits biscuits comme ça. Donc là, en fait, c'est les courses du mois. Hein. Je pense pas que je vais retourner aux courses à présent. Alors, tout est mélangé là-dedans. Des vaches qui rient pour Thiago. Enfin, des vaches qui rient. Des portions. Des portions de fromage riche en calcium. Voilà. C'est la version XXL, hein, 32 portions. Du thon pour faire une quiche au thon, parce que Thiago il va faire mercredi, en fait, je travaille. Du coup, Gilet va garder les petits et du coup, il va faire une quiche au thon avec Thiago. Voilà. Ensuite, des compotes pour Thiago, pareil, le matin, s'il ne veut pas de jus ou s'il ne veut pas... Parce que le matin, il boit déjà, en fait, un candiup. Donc, des fois, une compote. Ensuite, du concentré de tomate, parce que c'est la base des fins de mois, n'est-ce pas? Non, le concentré de tomate, j'en utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans les pâtes, dans le riz, dans le poulet, enfin bref. J'en utilise beaucoup. Du chocolat à dessert, parce que si on a envie de faire un gâteau au chocolat. Alors, j'ai pris des coquillettes, du sucre en poudre. Ah oui, ça, je voulais vous montrer. Lidl, ils ont sorti. Oui. Les choconus. C'est les Nutella Biredi des pauvres. Je crois que j'ai payé 89 centimes en truc du genre. Donc j'ai envie de les tester et voir ce que ça donne. Parce que vraiment, franchement, quand vous regardez la photo, franchement, c'est pas exactement pareil. Sachant que si c'est fait avec leur choconus, là, le Nutella de Lidl, qui est vraiment bon, franchement, moi je le trouve vraiment vraiment bon. Franchement, il y a moyen de avoir. Mais je crois que je l'ai payé que dalle. On peut pas se séparer ça. Mais si tu mets dans des sachets congelés, non? Mais non, mais c'est ce que tu vas en laisser 4 dans. Ouais, bon, ouais, laisse tomber, je le ferai tout à l'heure. Des rillettes de poulet. Ensuite, des Javel. Ça, c'est JD qui a pris ça, de la sauce Chunky Burger. Ensuite, des Capitaine Rondo. Des chocobaines pour Thiago. De la moutarde et des haricots verts. La moutarde, en fait, nous, on s'en sert que pour les fonds de tarte, vous savez, pour faire les quiches. D'ailleurs, Séverine, si tu passes par là, il me semble qu'il fut un temps où nous avions mangé, d'ailleurs, Juju aussi, si tu passes par là, nous avions mangé une quiche au thon préparée par mes soins, où j'avais un peu abusé de la moutarde. Donc je m'en sers que pour faire la moutarde et des fois je mets un peu de moutarde dans ma crème pour manger des escalopes ou ce genre de trucs. Ensuite j'ai repris des herbes de Provence parce que les herbes de Provence c'est quoi? C'est trop la vie. J'ai pris comme ça une sauce, c'est quoi que j'ai pris? Tomate? Non, sauce tomate au bœuf. Ah bah c'est une sauce bolognaise, voilà. Pour histoire d'avoir ça dans mon placard. Ensuite, j'ai repris des spaghettis et la base, les cookies. J'avais pris 3 paquets. Voilà. 3 paquets de cookies. C'est pour Thiago quand il rentre de l'école, tout ça. Hop. Quand il rentre de l'école, pour moi aussi, quand j'ai envie de manger des conneries. Hop. Alors là, ça c'est le machin isotherme. Ouf. Le sac isotherme truc là. Surgelé. Ah, ce qui va au frigo, il y a du surgelé. J'ai pris de la viande hachée. Je vous fais un mélange de la viande hachée pour faire un haché. Non, l'inverse. Je prends. Vous avez compris, hachée parmentier. 5% de matière grasse. C'est la fatigue, c'est la fin de semaine, pardonnez-moi. Des saucisses comme ça, pareil, on coupe en deux, on en congèle, on en met un dans le frigo, sachant que ça va loin, ça va jusqu'au 8 septembre.
Donc voilà, c'est dans une semaine. Donc. Ce sera déjà mangé avant. Ça, c'est pour Thiago. Le soir, quand il rentre de l'école. Enfin, quand il rentre de l'école pour le soir. Et que moi, je travaille pas. C'est merguez, pardon. Bœuf et mouton. Pour manger avec des poivrons et du riz. J'ai pris des cordons bleus de poulet. Donc ça, c'est pour moi. C'est quand j'en aurai marre de manger du pain. Le soir, quand je rentre du boulot. Voilà, donc c'est pareil. Je vais congeler. J'en sortirai un quand j'aurai le temps. Des tagliatelles fraîches. Voilà. Parce que j'adore. Avec du jambon, c'est trop la vie. Donc là, toujours plus, toujours plus, toujours plus. J'ai pris deux paquets de jambon. En fait, c'est parce que ça va loin. Deux paquets de jambon qui vont jusqu'au 21 septembre. Donc, c'est vrai, c'est dans 3 semaines. Donc, deux paquets de jambon. Deux paquets... c'est mélangé. Deux paquets de poulet. Et deux paquets de dinde. Donc, en fait, ça... Ça me sert en fait quand je suis débordée pour manger avec des pâtes, voilà. Quand j'ai pas trop de temps, voilà, on mange ça avec des pâtes et ça fait un repas. Des aiguillettes de poulet, donc pareil, un au frigo, un au congélateur. Ensuite, ah bah j'ai pris deux pâtes feuilletées, j'avais pas vu. T'en avais pris deux en fait, t'avais vu ? Il a pris un lot de deux pâtes feuilletées, donc du coup il fera deux quiches. J'ai pris ça pour Thiago parce que Thiago il kiffe trop ça. D'ailleurs dans le magasin il m'a tapé la honte. Parce que souvent des fois quand on aime bien des fois faire avec Thiago devant souvent le samedi soir d'ailleurs, devant la télé, on se fait un plateau et je lui dis qu'on prend l'apéro en fait. Il a un peu le droit de, c'est un peu la fête pour lui, genre il peut prendre du coca, de l'ice tea et tout. Et en fait on fait du saucisson, du salami. Des toasts de pain, voilà, et on mange ça comme ça devant la télé. On mange ça à 9h et on mange ça jusqu'à ce qu'il aille se coucher, voilà. Donc il était trop content, il me disait ouais, super, on va encore faire l'apéro et tout. Thiago, détends-toi, on achète juste du salami. Thiago. Mousse à la crème de marron, voilà, ça c'est pour JD du coup. Et j'ai pris ça qui ressemblait fortement à une boîte de nuggets dont je ne citerai pas le nom, mais franchement, entre nous, franchement. Et du coup, il y a même la sauce curry, oui, et la sauce sweet chili là, sauce chinoise quoi. Et on les a déjà pris une fois et franchement, ils étaient doux. Donc, voilà, c'est plus pour Thiago que pour moi. Moi, j'aime bien, mais c'est plus pour Thiago. Et ça, c'est le nouveau délire de Thiago. Les pommes de terre en alphabet. Il kiffe ça, il aime trop. Donc on lui écrit son prénom, on écrit le prénom de sa sœur et tout. C'est ludique, il adore. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris deux pots de crème. Ce retour de course va être interminable. Deux pots de crème, donc la légère, ou la normale. Sec. Ensuite, des pommes de terre, donc c'est pour le hachis en fait. Four purée potage, voilà, j'en ai besoin de 5 ou 6 pour le hachis. Et peut-être que en fait, comme j'ai pris des carottes, je ferai un hachis pommes de terre carottes. Pour changer un peu. Et du coup, bah voilà, des carottes. Ensuite, pour moi, je me suis pris un concombre, parce que le concombre, bah, c'est trop magique. J'aime trop le concombre. Donc, je vais me refaire mes petits trucs concombre-tomate, là. Riz concombre-tomate. C'est genre presque la base de mon alimentation. Ah, c'est pour ça que j'ai payé cher en course, parce que j'ai au moins 10 euros de ça, là. Je vais vous montrer. Des Liégeois, non pas du tout. Des Liégeois, voilà, à la vanille caramel, parce que j'adore. JD il s'est pris ça, un café expresso là. Arabica, c'est pour lui. Ensuite, c'est ça qui m'a coûté cher.
des cubes bouillon bœuf, poulet, poule, chicken, et végétable, aux végétaux là, aux légumes. Putain, j'ai trop du mal. Et du coup, ça dedans, je sais pas combien il y en a, il y en a 72, voilà. Et en fait, moi, ça, je m'en sers beaucoup l'hiver quand je fais des soupes. J'en mets au moins un dans mes soupes, donc soit légumes, soit poulet. Et on en a besoin des fois pour faire des sauces, vous savez. Et je m'en sers aussi pour faire cuire les pâtes et tout. Donc voilà, des fois, je change, je trouve que ça donne un goût. Voilà. Eux, ils s'en servent pour faire des soupes, mais bon. Des tortilles. Des champignons. Manger avec les pâtes et la crème et le poulet parce que sinon c'est pas des vrais trucs, voilà. Et du choconussa, le Nutella pour nous. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le biberon de ma fille Twist Shake Baby, très beau, il est dans le sac de course parce que j'ai donné le biberon en fait dans le magasin. Donc du coup c'est ceux-là là, c'est les roses, les perles. D'ailleurs vous avez 20%, je vous mettrai aussi je vous mettrai tout en barre d'infos, tous les promos et tout. N'hésitez pas à checker la barre d'infos, il suffit d'appuyer sur la petite flèche juste en dessous la vidéo et comme ça vous avez toutes les infos. Alors une bouteille d'ice tea et du coup j'ai repris des sirops. Donc voilà. Sirop pêche et sucre. Pêche et menthe. Oui, il y a beaucoup de sucre. Mais c'est comme ça. Moi j'en mets surtout pour colorer l'eau et que ça ait un petit goût de sucré. En fait, c'est pour moi le matin, comme je mange pas. Je mange pas souvent quand je pars à 5h. Du coup, je me bois un verre de ça et puis voilà. Alors, il y en a deux autres là-bas, des Candiop de chez Lidl, mais ils sont vraiment, franchement, il n'y a aucune différence entre les Candiop et ceux de Lidl. Franchement, à part le prix, sinon je vois pas d'autres différences. Ouais, ils sont vraiment très très bons, donc voilà, j'ai repris du coup un deuxième machin de mouchoir, c'est pour l'école de Thiago. Il fallait des lingettes. Des lingettes, donc en fait je pense qu'ils utilisent ça pour leur débarbouiller les mains, vous savez. Donc voilà, des lingettes. Ensuite, des lingettes pour moi, mais pour multi-surface, en fait je m'en sers pour quand j'ai un petit besoin de me nettoyer un petit coup, je prends une lingette. Voilà. Du Harpic. Parce que le Harpic c'est trop la vie. Ah oui, ça c'est le sac de produits d'entreprise. Des sacs poubelles, donc c'est des 100 litres. 100 litres? Beaucoup, non? 100 litres. Sac poubelle. Du gel douche. Pas du gel douche, du... Je suis naze, je suis grave. Du liquide vaisselle, pardon. Voilà, j'ai pris celui-là parce que c'est le écolabel. Et voilà, donc du coup c'est du truc écologique, je pense. Je suis pas sûre, hein, mais je pense. Non. Je pense qu'il est écologique. Bon, bref. C'est pas écrit, mais c'est écrit écolabel. Donc, je pense que... Et puis, il y a un arbre vert dessus. Donc, je crois que c'est un truc qui est pas trop mal pour la planète. Moi, j'ai pris celui-là. Pour moi, j'avais testé celui à l'avocat. Il était vraiment bien, hein, le sien avocat, là. Il sentait bon. Et tout, du coup, je me suis dit que j'avais testé celui à la fleur de lotus. Et il sent bon aussi. Donc, voilà. Oui, parce que Thiago me vide mes gels douche pour faire du slime. Formidable. Et le dernier truc, mais très utile, et pas des moindres, la lessive. Donc c'est la formule, c'est celle qui ressemble à odorat. Avec l'odorat. Senteurment. J'ai plus de mots, je ne sais plus comment c'était. Bref, à l'odeur. À l'Ariel, c'est celle qui ressemble le plus et niveau efficacité, franchement, elle est super. Franchement, tous les lins, le linge, j'y reviens nickel et tout. Même limite, j'ai presque l'impression qu'elle est tellement puissante. Ou alors c'est parce que moi j'abuse, mais c'est parce que normalement il faut mettre un bouchon, mais moi je verse comme ça en fait.
Je ne m'occupe pas de s'il faut mettre un bouchon ou pas. Je verse comme ça à l'œil. Et du coup, des fois, le linge noir, par exemple, il ressort un peu. À force de faire des lavages, il ressort passé. Voilà, faudrait que je mette du mire black, par exemple. Bref, voilà, cette vidéo est enfin terminée. Franchement, 35 minutes où j'arrête pas de blablater, mon Dieu. J'espère quand même que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !